Alors, Afrique de liberté, il faut dire que là où ça arrivait à là, ce n'est pas donc pour vous faire peur, mais est-ce que vous savez qu'actuellement là, le monde entier est sur un pied? Actuellement où je suis donc en train de vous parler, le monde entier est sur un pied. L'heure est très 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 grave, Afrique de liberté. Partagez-moi cette vidéo, invitez vos amis, on va écouter, c'est-à-dire écoutez cette vidéo pour comprendre ce qui ne va pas actuellement et ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Parce que là où ça arrivait, il faut qu'on réagisse. Là où ça arrivait là, il faut qu'on réagisse. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, ça va tomber sur nous. Et ça, ce n'est pas un débat. Alors, chers amis, bienvenue donc sur Côte d'Ivoire 2020, qui est tout simplement votre chaîne sur YouTube qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Veuillez s'il vous plaît partager nos vidéos. Veuillez liker nos vidéos. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne surtout rien manquer sur cette plateforme de lutte. Côte d'Ivoire 2020, ici, nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour vous dire tout simplement ce que ces gens-là refusent de vous dire. Ici, nous sommes là pour lancer des alertes. Ici, nous sommes là pour vous passer des informations. Écoutez attentivement cette vidéo. Vous allez comprendre combien de fois Alassane Dramane Ouattara est un danger, non seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour l'Afrique. Écoutez attentivement cette vidéo pour comprendre ce qui se prépare en Côte d'Ivoire depuis la France, ce que le petit Macron a décidé donc de faire. Les vies sont en danger. Chers Ivoiriens, chers peuples d'Afrique, partagez-moi cette vidéo et écoutez attentivement. Je vous prie, écoutez attentivement cette vidéo, partagez-la massivement, protégez-la avec des likes tout à l'heure. On va revenir donc pour les commentaires. On y va. Écoutez attentivement. L'heure est très très grave. Ce que Ouattara avait promis aux gens du Nord, c'était de construire le Nord. Comment se fait-il qu'ils construisent le Sud et Abidjan? Il le fait pour la simple raison que lorsque Macron va déclencher sa guerre contre la Russie, l'Élysée et ses gars vont fuir de la France pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le peuple français va aller combattre. Déjà, au Parlement français, on est en train d'adopter des lois pour que les civils puissent être réquisitionnés pour faire la guerre. Si tu ne fais pas la guerre, la justice va te poursuivre. Donc, sachez, vous, nos frères de la diaspora, que nos enfants qui ont la nationalité française seront les premiers à être envoyés au front, comme cela s'est passé durant les deux guerres mondiales. Et donc, Ouattara n'est pas en train de construire Abidjan pour vous, les Ivoiriens, ou pour vous, les ladomoutons. Il est en train de construire Abidjan pour l'élite occidentale, pour l'élite française qui va fuir et venir se réfugier pendant la guerre. Vous comprenez? Donc, Ouattara est en train de se battre pour les intérêts, comme je l'ai dit, des chocolatiers, des laboratoires pharmaceutiques. Et les pharmaciens, il est en train de les affamer, de mettre la pression fiscale sur eux parce qu'ils doivent fermer. Et ce sont progressivement des Européens qui vont venir s'installer en Afrique, en Côte d'Ivoire. Lorsque Macron vous parle d'un troisième mandat, il vous parle indirectement de la guerre qu'il veut faire éclater. Parce que lorsqu'il va éclater cette guerre, ils seront en état d'urgence et ils ne pourront pas aller aux élections. Donc, on va introduire le troisième mandat et on va éliminer les mandats pour qu'un président reste là tout le temps. C'est en préparation de la guerre. Parce que l'ordre mondial est en train de changer. Ils ne peuvent pas accepter d'être dominés par la Chine ou la Russie ou le Brésil. Donc, ils préfèrent utiliser la guerre pour chercher à se repositionner, à reprendre leur poste. Donc comprenez que Ouattara n'a pas construit les ponts pour vous. La preuve à Abidjan, progressivement, vous ne pouvez plus louer des maisons à Abidjan. Celui qui a un salaire de 200 000 doit aller loin d'Abidjan. Celui qui a un salaire de 300 000 doit aller loin d'Abidjan. Celui même qui a un salaire de 500 000 ne peut pas vivre au centre d'Abidjan parce que les maisons sont louées à 200 000, à 300 000. C'est ce que vous devez comprendre. Ceci dit, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui Ouattara est en train de poursuivre Soro Kiyom.
Il est en train de poursuivre Sorobium, non pas seulement pour poursuivre Sorobium, mais pour l'éliminer physiquement. Parce que, vous voyez, des gens comme Ouattara, lorsqu'ils vous ont appelé et vous les avez aidés à conquérir quelque chose, à la fin, ils doivent vous éliminer. Parce que vous seul, vous connaissez les secrets de leur accession au pouvoir. Gon Coulibaly connaissait Ouattara à fond. Et donc, il ne pouvait pas laisser Gon Coulibaly un jour dévoiler ses secrets. Quand Gon Coulibaly n'allait plus être d'accord avec sa politique. Ahmed Bakayoko s'est occupé de l'économie souterraine, de la drogue, du trafic de drogue, pour faire croire que la Côte d'Ivoire se développe à un taux de croissance à deux chiffres et autres. C'était grâce à l'économie souterraine. Parce que lorsque vous analysez l'exportation du cacao, du café et tout, vous vous rendez compte que ce n'est pas avec ça que Ouattara atteint ses taux de croissance. C'est avec d'autres choses. Et Ahmed Bakayoko a travaillé dans ce cadre-là. Aujourd'hui, les cartels de drogue sont installés en Côte d'Ivoire. Et nous voyons Ouattara évoluer sans avoir accès à ce que nous produisons directement. Et nous ne produisons rien, pratiquement, sous Ouattara. Donc, il est éliminé avec Bakayoko, qui connaissait le secret de ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, celui qui reste à éliminer est le Ban Sorokyom, qui est son aile armée. Sorokyom est celui-là qui a planifié, en fait, la conquête d'Abidjan. Il a planifié, ça n'a pas marché, mais ils ont eu recours à la France pour agir. Lorsque Ouattara a été essoufflé au Golf Hotel, il avait à ses côtés le Ban Sorokyom pour lui dire, allez courage, allons de l'avant. On a menacé les fonctionnaires qui allaient au travail, vous savez tout ça. Donc ici, le temps est arrivé d'éliminer Sorokyom. Ne pensez pas qu'il veut simplement le poursuivre. Sachez qu'il veut l'éliminer physiquement. Quand je parle, je sais ce que je dis. Je ne m'appuie pas seulement sur vos analyses. Je sais ce que je dis. Il veut l'éliminer physiquement. Pourquoi ? Pour créer des troubles. Des troubles avant les municipales. Parce que comme je l'ai dit, s'il a les mers, il a les terres. Et donc, il lui faut forcément les terres ivoiriennes. Il a convoqué le PPACI en retirant le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Il pensait que le PPACI aurait réagi. Et Damana Picasse, le secrétaire général, vous l'a dit. Ouattara s'attendait à nous voir réagir maintenant. Mais nous n'allons pas réagir maintenant. Le jour où nous allons réagir, c'est que nous sommes protégés sur le plan juridique et tout. Donc il n'a pas réussi. Et il se tourne vers Sorokyom maintenant pour le menacer. Il menace Sorokyom parce qu'il espère de voir les soutiens cachés de Sorokyom qui sont en Côte d'Ivoire se dévoiler pour chercher à faire un coup d'État. De telle sorte que lui, il puisse réagir violemment et créer un état d'urgence en Côte d'Ivoire pour ne pas que les élections aient lieu. Les élections municipales aient lieu, parce qu'il sait qu'il sera battu. Alors, vous allez voir la chronologie des faits qui vont vous amener à comprendre pourquoi Ouattara, aujourd'hui, sort la tête de la fille d'Ibé. Le 4 juillet, hier, on a assisté à la conférence, non, avant-hier, je crois, on a assisté à la conférence de M. Guy Gengoyi Denis, excusez-moi si je prononce mal ton nom. Il est le chef central des communautés Way de Yopougon. Il est président du directoire. Parce que nous avons du directoire, disons, qui s'occupe de la sécurisation du foncier à l'ouest. Et il s'agit ici du Guémon et du Cavali. Et nous avons une ONG qui délivre, qui s'appelle AIA, c'est le sigle de cette ONG, qui est en train de délivrer des certificats fonciers au nom ivoirien, en violation de la loi 1998-750 du 23 décembre 1998. Cette ONG, non plutôt, ce conférencier, a demandé à l'ONG d'arrêter de le faire. Parce qu'on se rend compte que cette ONG est poussée par les chocolatiers qui veulent prendre les terres des Ivoiriens dans le Guéo. Or, c'est pour cette raison que Ouattara a lutté. Je lui ai dit, il a lutté pour les chocolatiers qui ont besoin de nos terres pour faire du cacao. Il a lutté pour les laboratoires pharmaceutiques et il veut nos terres. Et voilà que cette réaction du conférencier des populations, des responsables là-bas, met en péril ce qu'il a donné, par exemple, à Blaise Compaoré, qui était devenu producteur du cacao, vous le savez, qui travaillait pour les chocolatiers. Et donc ici, le Guémon est en danger. Et le Guémon, pour lui, est en danger. Le Guémon et le Cavalier, pour lui, est en danger parce qu'il risque de perdre les terres. Alors, pendant qu'ils vous disent que dans 10 ans, vous pouvez, disons, chercher à obtenir vos certificats fonciers, ils ont mis déjà des ONG sur place pour voler les terres, pour donner des certificats fonciers aux non-ivoiriens.
Vous comprenez? C'est ce qui avait été dit. Il y a un piège. Il vous dit dans 10 ans, mais aujourd'hui, les ONG sont en train de délivrer des esclaves aussi, en violation de la Constitution. Et lorsque les maires seront élus, les maires RHDP, ils vont soutenir ces ONG pour vous ravir vos terres. Alors Ouattara sent qu'il est en danger. Et ce qui est dangereux encore, c'est que dans le démon, l'alliance PDCI et PPACI fonctionne très bien. Hubert Houlaye est avec un allié du PDCI et ils se sont partagés le régional et la mairie. Et donc ça fonctionne bien. Et ceux-là vont demander à leurs frères de chercher à récupérer leurs terres. C'est ce qui se passe. Et ce conférencier est sorti le 4 juillet. Et vous allez vous rendre compte que c'est à cette même date qu'on retire cette plainte contre Sorokyo. Voilà la chronologie des faits. Parce que Ouattara se rend compte que PPACI n'est pas tombé dans son piège de violence pour se révolter et il va mettre le pied à l'état d'urgence à feu et à sang. Le PPACI n'est pas tombé dans ce piège. Il provoque Sorokyo parce qu'il se rend compte que les populations, grâce au travail qui est en train d'être fait par le PPACI, les populations sont en train de se battre pour récupérer leurs terres. Parce que vous savez que nous ne pouvons pas trop compter sur l'aide des noms emblématiques au sein du PDCI qui sont en train de faire, ces personnes sont en train de faire un coup d'État à Bédier au sein du parti. Parce que quand vous prenez Billon, c'est un chocolatier. Vous prenez beaucoup de fils d'eux ou de pères d'eux, ce sont des chocolatiers. Les noms emblématiques sont des chocolatiers. Et donc, ceux-là sont avec Ouattara. Vous comprenez? Et donc, quand vous avez au sein du PDCI les jeunes qui sont pauvres, eux ne peuvent pas aller de l'avant. On les bloque. Donc, on est content de voir aujourd'hui que l'alliance PPACI, Hubert Houlaye, fonctionne bien, Hubert Houlaye et PDCI RDA, fonctionne bien dans le Guinée. Et Ouattara se sent en danger. Il sent qu'il va perdre les mairies. Et donc, il faut tout faire pour ne pas qu'on aille aux élections municipales. Et celui qui veut sacrifier, c'est le pan de Sorokyo. Je vous répète, ce n'est pas pour se poursuivre Sorokyo, c'est pour mettre sa tête à prix. C'est ce qu'il est en train de chercher à faire. Et je voudrais profiter de cela pour donner des conseils à Cubière et à Sorokoné. Nous avons tous vu qu'en Côte d'Ivoire, Sorokyo, le pan de Sorokyo, et Ouattara, qui était là, Chérif Ousmane et autres, ont reçu des ordres de Ouattara pour éliminer Ibé. Aujourd'hui, qu'est-ce que Ouattara dit? Lui, ce n'est pas lui qui a éliminé Ibé. C'est le pan de Sorokyo. Ouattara est en train de vous donner des ordres, Sorokoné, Cuibière, pour que vous effacez le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Amadou Coulibaly a fait déjà une sortie après un conseil des ministres. Il a dit, entre l'exécutif et le judiciaire, il y a une séparation. Demain, si par la faute de Cuibière, le sang des Ivoiriens est versé, c'est Cuibière que l'on va venir arrêter. Comme aujourd'hui, on est en train de poursuivre le pan Sorokyo. Parmi les alliés de Ouattara, aucun allié n'a atteint le niveau du pan Sorokyo dans le cadre des nominations. Aucun. Il a tout eu. Et pourtant, c'est lui qui a poursuivi. C'est un conseil que je donne à Cuibière. C'est un conseil que je donne à Sorokoné. Ne faites pas le jeu de Ouattara. C'est un conseil aussi que je donne au ministre de la Justice de Ouattara. Ouattara vous fait prendre des décisions et après, il vous accuse d'avoir pris ces décisions. Remettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sortez de là. Lavez-vous les mains. Laissez Ouattara prendre lui-même, assumer ses responsabilités. Alors, Afrique de liberté, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez écouté, voici donc les plans machiavéliques de Dramane Ouattara depuis donc Abidjan pour, si on en tient au dit du doyen, quand la guerre va éclater, voilà, voici donc le plan qui a été mis en place pour accueillir donc les autorités françaises. Pendant ce temps-là, nos frères et sœurs qui ont malheureusement eu des enfants avec ces Français, tous ces enfants, sans exception, malheureusement, seront donc au front en train de se faire massacrer copieusement parce que si il y a bel et bien guerre aujourd'hui, actuellement en tout cas, à cet instant T, la France ne pourra rien. En tout cas, la France unie, la France peut faire appel à qui elle veut, mais elle ne pourra rien face à la Russie. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, ces enfants seront en train de se faire massacrer. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui confirmé, certifié que c'est un territoire d'autres mains, en tout cas, va recevoir ses nouveaux propriétaires
Et comme je vous ai aussi dit, le plan diabolique de Dramane Ouattara, qui est de sucer, qui est de, en tout cas, faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit débarrassée de tous les Ivoiriens, mais va aussi voir le jour. Vous l'avez bel et bien écouté, hein, ce n'est pas moi qui suis en train de le vanter, voilà, c'est le doyen qui a parlé. Si le doyen a bel et bien raison, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, que Dramane est en train de construire, c'est pour les Français, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Et ça, c'est clair net. C'est pourquoi je vais aussi faire cette petite transition pour aller du côté de mon ex-mentor, Guillaume Makiba-Ferry-Soro. Aujourd'hui, on vous a interpellé. Aujourd'hui, des gens sont sortis massivement pour vous interpeller. Les gens sont sortis pour, en tout cas, vous parler. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire vous aussi, quand vous asseyez et que vous réfléchissez en âme et conscience, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps, qu'il est vraiment temps de dire la vérité aux Ivoiriens? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de participer? Parce que vous, à vous seul, vous pesez dans ce combat à 80%, si on peut le dire, parce que vous connaissez l'homme plus que quiconque. Vous connaissez Alassane Dramane Ouattara, le monstre. Vous connaissez Dramane Ouattara, le dictateur. Vous connaissez Dramane Ouattara, le sanguinaire, plus que quiconque. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est l'heure de mettre à terre, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, que vous allez faire soi Dramane Ouattara à terre pour lui donner des conseils? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de faire soi Ouattara à terre pour lui donner des conseils? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps? Parce que là, vous en savez trop. Là, vous gênez. Là, vous l'empêchez de s'exprimer. Là, Monsieur Guillaume Makiba-Ferry-Soro, vous êtes une menace pour Dramane Ouattara et ses collaborateurs. Vous êtes une menace pour Ouattara et l'Occident. C'est pourquoi, depuis la France aujourd'hui, là, on vous lance des mandats d'arrêt. On vous colle des mandats d'arrêt à la con. Sinon, nous tous ici, réunis, on sait, on connaît la vérité. On sait qui a tué Ibé. On sait qui a tué Ibé. On sait qui a éliminé Ibé. On connaît la personne, on connaît son nom. Pourquoi est-ce que ces gens-là veulent troquer, changer l'histoire qui est tellement récente? Pourquoi? Tout ça pour vous nuire, tout ça pour vous faire porter les chapeaux. Alors que vous avez dit, vous avez été rebelle pour Alassane Dramane Ouattara. Vous avez été rebelle pour une cause. Vous avez reconnu que vous avez été rebelle. Vous avez reconnu, en tout cas, que vous avez été le patron, le dirigeant, le cerveau de cette rébellion. Et c'est là qui pose problème. C'est pas là que Dramane Ouattara veut passer pour vous atteindre. Aujourd'hui, là, ce monsieur ne veut pas vous juger, comme l'a dit le doyen. Il veut vous éliminer physiquement. Il veut vous éliminer physiquement. Vous avez porté le chapeau de la rébellion. Vous avez même écrit un livre spécial par rapport à cette rébellion dont vous avez reconnu, c'est-à-dire vous avez en tout cas accepté de dire toute la vérité, mais en limité, parce que ce n'est pas tout qui est mentionné. Ce qui n'est pas mentionné là, c'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. C'est ce que nous voulons savoir. C'est ce que, en tout cas, le monde entier veut savoir pour mettre à terre définitivement Dramane Ouattara. Vous avez écrit un livre pour reconnaître que vous étiez le patron. Vous étiez, en tout cas, la tête de cette rébellion. Et par là, par ça, Dramane Ouattara veut passer pour vous atteindre. Le doyen a parlé très fort. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Et déjà, nous avons, en tout cas, tout ce temps, tout le temps, nous vous avons interpellé là-dessus par rapport à ce que veut faire Dramane Ouattara à votre sujet. Parce que vous savez trop. Les autres n'ont pas eu cette chance d'être encore en vie. Et je vais encore le répéter parce que la répétition est pédagogique. Ils aimeraient aujourd'hui, là, quel que soit de là où ils sont, revenir, dire la vérité avant de repartir se coucher. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que eux aussi savaient trop. Quand Ouattara utilise, Ouattara élimine après. Ouattara est un mafieux, un bandit de grand chemin. C'est quelqu'un, quand il finit de t'utiliser là, il t'élimine parce que tu sais trop.
parce que tu en sais trop. Et dans ce gouvernement moribond là, c'est vous, monsieur Guillaume Kibafori-Soro, qui avez été en tout cas élevé, comme l'a dit le doyen, au poste le plus élevé. C'est-à-dire que vous connaissez mieux Ouattara que quiconque. Vous connaissez Ouattara mieux que son propre fils ou son frère, Tene Ibrahim Ouattara, dit la fiole. C'est ça que la vérité. Vous connaissez mieux Ouattara. Ouattara et sa veuve noire, vous les connaissez mieux que quiconque. Alors vous devez réagir. Ouattara a fini de vous utiliser. Ouattara a fini de vous utiliser. Il veut vous éliminer coûte que coûte. Quel que soit en tout cas les moyens utilisés, il veut arriver à ses fins et il fera tout pour y parvenir. Qu'est-ce que vous en retour vous attendez pour le faire asseoir, comme vous l'avez dit, pour lui donner des conseils? Il faut faire asseoir Dramane Ouattara à terre pour lui parler. Il faut atteindre Ouattara avant que lui ne vous atteigne. C'est ça aussi qui est la vérité. Ça y va de votre vie. Et ça là, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas faire de la politique. Ouattara n'est pas un politicien. Et aujourd'hui, il s'agit de votre vie. Aujourd'hui là, il s'agit de votre vie. Il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. Alors, allez-vous attendre à ce que Ouattara vous atteigne? Allez-vous permettre cela? Ou vous, Guillaume Kibafori-Soro, allez-vous en premier, en tout cas, porter le coup de grâce? En tout cas, ça y va de votre vie. À vous de prendre votre décision et de réagir maintenant. Pour terminer cette petite vidéo, j'aimerais dire aussi, comme l'a dit le doyen, à ces personnes aujourd'hui qui se gonflent les épaules, qui se gonflent comme ça la poitrine, qui décident de suivre les ordres de Dramane Ouattara à la con, aveuglement. N'oubliez pas que toutes ces personnes aujourd'hui en exil, toutes ces personnes aujourd'hui en prison, toutes ces personnes aujourd'hui combattues, pourchassées, traquées, sur toute la planète là, par Dramane Ouattara et son gouvernement, par Ouattara et ses moutons là, n'oubliez pas que ces personnes hier étaient avec lui et ces personnes étaient prêtes à donner leur vie. Et ces personnes en tout cas ont suivi aussi, en tout cas les ordres de Dramane Ouattara sans réfléchir. Et c'est ce qu'ils sont en train aujourd'hui de payer, c'est ce que nous sommes en train de payer, c'est le prix à payer pour avoir suivi ce gouvernement là comme moribond, indigne, sans valeur. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Dramane Ouattara, c'est quelqu'un là. Quand il finit de t'utiliser, il t'élimine ou, en tout cas, il te crée des situations de bordel jusqu'à ce que toi-même là tu meurs. C'est-à-dire, il crée les conditions. Il crée les conditions. Et toi-même là, tu te tues à petit feu et tu disparais. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui vous donne des ordres. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui vous envoie, en tout cas comme l'a dit Gbagbo, quand vous envoie là, il faut savoir vous envoyer parce que demain, ça peut vous rattraper. Donc, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous êtes en train de faire actuellement. Le président de la CEI et consorts. Actuellement, là, tout ce que vous faites là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que tout finit par finir. Et un jour, on finit par payer le prix de ce qu'on sème. Si on sème du bon, on récoltera du bon. Si on sème du mauvais, on récoltera du mauvais. C'est pourquoi il faut savoir vous envoyer. Il faut savoir, en tout cas, prendre des décisions. Dramane Ouattara est président. Il n'est pas, en tout cas, président de votre institution. Il n'a pas à décider à votre place. C'est à vous de décider. Vous devez être crédible, loyal au peuple, parce que le peuple vous fait confiance. C'est pas parce que lui, Dramane Ouattara, vous a mis là que vous êtes obligé de travailler pour lui. Parce que vous allez payer le prix. Et ça, ce n'est pas un débat. On finit toujours par payer. Et tout finit toujours par finir. Et la fin de ce gouvernement, elle est là. Ça, ce n'est pas un débat. Il y a tellement de signes aujourd'hui qui le montrent, qui le démontrent. Comment quelqu'un peut souffrir? Comment quelqu'un peut être malade? Afrique des libertés, chers Ivoiriens, écoutez très bien ce que je vais dire par rapport à la mort de Awa Eura. Comment quelqu'un qui a travaillé pour le public, pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, est malade?
Parce qu'elle a eu comme ça des affinités, si on peut le dire, avec Gbagbo dans le temps, avec le FPI. Non seulement elle a été renvoyée de la RTI quand Ouattara est venu au pouvoir, mais son compte a été bloqué. Son compte a été bloqué. Elle est malade. On bloque son compte. Elle fait comment pour se soigner? Elle fait comment pour payer ses médicaments? Difficilement dans la difficulté, en tout cas, dans la misère, la galère. Elle a lutté, lutté. Ses connaissances, les personnes de bonne volonté se sont mis ensemble. Ils ont courtisé. Faire sortir maman Awa Eura de Côte d'Ivoire est un problème. Faire sortir maman Awa Eura de la Côte d'Ivoire est tout un problème. Parce que tout simplement, le gouvernement de Dramane Ouattara ne voulant pas. Parce que tout simplement, le salaire réservé à cette dame est la mort. Faire sortir cette dame. La permission n'a pas été donnée. Ça n'a pas été autorisé par le gouvernement jusqu'à ce que cette dame meure aujourd'hui. Est-ce que Ouattara est un être humain? Est-ce que Ouattara a un cœur? Afrique de liberté, cher peuple de Côte d'Ivoire, jusqu'à quand allons-nous continuer dans ça en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on doit se poser. En tout cas, méditons là-dessus. Jusqu'à quand allons-nous continuer? Jusqu'à quand allons-nous permettre tout cette chélie, ce bordel en Côte d'Ivoire? À un moment donné, il faut se lever pour dire stop. À un moment donné, il faut se lever pour dire stop. Ça, c'est ça aussi qui est la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en ce dimanche 9 juillet 2023. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. Et on est ensemble à ce soir pour une autre directe. Ciao, ciao.